Ouais, Ok, j'ai retrouvé. t'es arrivé, t'as des petits yeux là. On est là. Ça va, en forme. Enfin, T'as bon, t'as les fruits oléagineux, t'as le lait tout, d'amande, tout, t'as tout, tout. tout. Ouais, tout, Vas-y, tout. mon frère. Comme ça, regarde, comme ça, on se check une fois, une première fois, là, comme c'est le premier jour du mois de Ramadan. Ouais. On regarde, comme ça, on voit comment ça fonctionne. Vas-y, T'as déjà tiens. préparé ta petite boîte de fruits. Nickel. C'est bon? Pense à bien boire de l'eau aussi, très Vas-y, c'est bon, important. c'est bon. Je prends Bois une beaucoup bouteille. d'eau. Et bah, pour Ramadan. Vas-y, bah. Bah, toi, ça, ce Vas-y, soir, hein? C'est ce soir. vas-y, à ce soir. Vas-y, Allez, ciao, ciao. allez. On part sur les féculents. Les féculents, t'as vu, là, on a le choix. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que tu as vu dans les pâtes que tu vas avoir des tagliatelles à la spiruline. C'est vraiment le gros avantage d'être ici. Tu as aussi des pâtes aux lentilles, aux pois chiches, aux pois cassés. Et tu vois, par exemple, la différence avec des pâtes que tu vas trouver à base de blé, bah, c'est que dans le blé, tu vas avoir à peu près 10% de protéines et pas énormément de fibres, à part si tu prends du complet. Tandis que dessus, comme c'est à base de lentilles, tu vas avoir, regarde, 26, 26% de protéines. C'est quasiment l'équivalent, par exemple, de la viande. Donc c'est vraiment énorme et tu as vraiment aussi beaucoup de fibres. Donc au niveau de la satiété, ça va vraiment te couper la faim. C'est-à-dire que quand tu vas manger ça, tu vas pas avoir 1 heure, 2 heures après avoir faim. Comme ça, on va en prendre. Tu veux prendre lesquels? T'as les lentilles, t'as les pois chiches, là tu peux choisir. Après, pour les huiles, ce qui est bien, c'est d'avoir deux types d'huiles. Une huile pour la cuisson et une huile pour l'assaisonnement. Pour la cuisson, tu peux prendre soit les huiles de coco, tu peux prendre aussi la classique, l'huile d'olive. Donc là, l'huile d'olive, on va la trouver juste ici. Vraiment classique pour les cuissons qui sont fortes. Après, pour tout ce qui est assaisonnement, ça va être intéressant de prendre plutôt celles qui vont être riches en oméga 3. Celle qui est très très bien aussi, l'huile de lin. Ça, c'est le top pour l'assaisonnement. Et après, bah, c'est en fonction de toi. Tu m'as parlé de l'huile d'avocat aussi. Ça aussi, tu peux la prendre. Donc voilà, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir les deux. Donc, une pour la cuisson et une pour l'assaisonnement. Pour l'assaisonnement, on va prendre l'avocat. Dedans. Combien t'as dit? Bon, t'inquiète, tu dois prendre. Elle est pas très lourd, il faut qu'il y ait 10 traits. Moi je vous demande pas, je vais en profiter, tu vois. Je mange beaucoup de fruits. Donc, après, Kevlar il s'occupe du reste, tu vois. Tiens, on va prendre là-bas. Donc on a fait nos courses chez la Vie Claire, donc on a pris les fruits, les légumes, les féculents aussi, bio, c'est important de le préciser. Et là on va aller choisir notre viande chez les Jumeaux, donc viande de qualité, meilleure boucherie d'Île-de-France et je dirais même peut-être de France, peut-être. En tout cas on est chez eux, ils proposent de la viande halal, c'est important de préciser. Parce que c'est difficile de trouver une viande halal de qualité et bio. Et bah let's go! Tu me conseillerais au niveau mouton? En mouton, ouais, tu veux te faire plaisir en mouton? Ok, ok, ça marche. Ok, je vais te faire goûter le meilleur agneau en France. Le meilleur agneau en France, c'est l'agneau présalé du Mont-Saint-Michel. D'accord. C'est le best du best. Alors en fait, l'agneau présalé du Mont-Saint-Michel, c'est un agneau qui est au Mont-Saint-Michel. Il va brouter des algues et des herbes marines. C'est de l'agneau présalé, tu vas trouver ça uniquement dans les restaurants étoilés, Guide Michelin, etc. Tu sais quoi, il est calme en fait. Super sympa, tu vois. En fait, il y a plusieurs types de gras dans la viande. Celui-là, c'est le mauvais gras. Celui-là, il ramène la merde, le cholestérol, etc. Mais ça, c'est le gras intramusculaire, c'est le persillé. Ça ramène ça c'est bon. Ça c'est bon pour la santé. Et je pense que. Et en plus c'est une viande qui est maturée. Donc c'est une viande qui est là, celle-là, elle a 2 mois de maturation. Donc 60 jours, on a mis 60 jours dans la cave de maturation. Il faut vraiment manger saignant. Alors, à la poêle, une fois que ta poêle est chaude, tu le fais 1 minute à feu vif. Ensuite, tu baisses le gaz au minimum, tu fais 1 minute à feu doux. Pour te permettre de la manger un peu plus cuite que saignante, on va dire. Tu vois, donc 1 minute à feu vif, 1 minute à feu doux, tout simplement. Ok, là, je t'enlève ça.
c'est parti. Fume cette marque-là. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, par rapport au ramadan, comment ça va se passer? On va baisser l'intensité au niveau du ramadan, soit au niveau de tes entraînements, selon la nutrition qui t'a fait Walid. Et il va t'expliquer un peu plus. Ce qu'on va faire, ça va être simple, parce que là, on a eu le feu vert de Poulpeau pour accélérer un petit peu sur la cheville. Donc là, Abdel, ce qui te fait travailler, c'est vraiment le renforcement de la cheville. Et le renforcement, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment axé sur la technique, sur les muscles profonds que toi, tu n'as pas l'habitude de travailler. Parce que là, on ne peut pas réellement mettre d'intensité. Si on met de l'intensité pendant le ramadan, tu vas finir sur les rotules. Ce n'est pas le but. Et puis, tu risques aussi même de perdre du muscle, voire de te blesser. Donc, le but du jeu du ramadan, là, ça va être de maximiser ta technique, les muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler, et d'avoir vraiment un très gros rendement à ce niveau-là. Comme ça, quand on sort du mois de ramadan, tu es prêt. Tu es prêt et on peut envoyer directement. Pareil pour la diète. La diète, le but du jeu, tu as vu là, c'est le premier jour. Tu as eu ta petite maladie il y a quelques jours, ça t'a un petit peu fatigué. Le but du jeu, là, pendant ce mois-là, c'est que tu sois un maximum en forme. Que tu perdes le minimum de muscle. Parce que quoi qu'il arrive pendant le ramadan, on va perdre du muscle. Mais le but du jeu, c'est de minimiser ça et de faire en sorte que tu sois le plus en forme possible. Comme ça, on peut travailler un maximum la technique, un maximum aussi les muscles que toi, tu n'as pas l'habitude de travailler, comme Abdel te fait travailler. Et après, dès qu'on sort du mois de ramadan, boum, on peut envoyer. C'est le game plan. Simple, simple, efficace. Et de toute façon, après, tu as tous les soins qui vont aussi avec Poulpo. Ça fait bien. Ça te va? Ça me va. Cool. Ouais. La stabilité. Et tu vas essayer de toucher à droite. Derrière ? Ouais. Force. Yes, super, top. Tu décolles la jambe, rotation, et tu prends une meilleure rotation. Lève, recule un peu en arrière, rotation. Yes. Tu sens ici ? Ouais. Ça, on va le travailler, t'es parti trop vite. Rotation. Je décolle ma jambe au maximum. Top. Et je bloque 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top. On a refait. Top. 1, top. Pense à bien maintenir une bonne pression comme si tu maintenais la pression sur l'adversaire. Voilà. Et là, tu es bien droit ici. Tu es bien engagé. Voilà. Tu maintiens une bonne pression ici. Ta jambe bien droite. Ouais. Rien ne bouge. Tu ramènes. Boum. Tu ramènes, boum. Comme si tu avais l'adversaire et là tu travailles avec ta main gauche et ta main droite, tu maintiens la pression dessus. Dernière. Et 30. Tu veux bien ici, ta jambe bien droite, bien fort. Ouais. Fort. Et fort ici, et fort sur tes fesses, et fort sur ton bras. Ouais. Allez, go. Hop. Bien aligné. 1, 2, 3. Force sur tes abdos. Bien droit, avec une jambe. Et tu pousses. Monte. Ouais. Alors, tu tiens. Encore. Vas-y, monte. Fort avec tes fesses. Pousse dans le sol. Il va être bien. Il peut pas reprendre la course, mais je pense que ouais, 80% facile. Ouais, il a 80% facile. Alors que quand je l'ai eu, il était à 40. Donc là, il est au double. Là, ce qu'on va faire, c'est on va scraper là au niveau du tendon d'Achille. D'accord. Donc les outils de scraping, c'est ça. Donc là, on travaille sur le soft tissu, le fascia, la membrane qui entoure le tendon là justement pour pouvoir lui redonner son aspect fibroélastique et faire en sorte qu'il n'ait pas de perte d'amplitude et de restriction articulaire au niveau des chevilles.
est important au premier jour de jeûne là, de Ramadan. Donc il est en déficience calorique. Donc généralement les séances sont moins intensives. Donc du coup il peut avoir du relâchement au niveau musculaire. Donc il faut faire en sorte de bien prendre le temps de masser l'appareil musculo-articulaire.